Vous en avez marre de toutes ces heures perdues à la salle de sport pour peu de résultats? Vous en avez marre de jeter votre argent par les fenêtres pour un abonnement à la salle de sport, pour des régimes inutiles? Stop! Avec cette nouvelle technique, fini de se ruiner pour des programmes contraignants. Vous pouvez avoir un joli corps sans effort. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de notre canapé à 2 500 € et de notre télé à 4 700 €. Profitez de notre super promo et commandez dès maintenant pour avoir ce magnifique élastique gratuit. Waouh, j'adore vraiment cet élastique, il est magnifique. Fini les cheveux dans les yeux. Hello tout le monde, alors je vais aborder aujourd'hui un gros sujet, c'est le sport. Et aussi un petit peu l'alimentation. Donc j'ai fait à peu près tout ce qui est imaginable sur Terre pour être mince. Donc j'ai été plus mince, j'ai été un peu plus forte. Donc je vais vous dire ce qui a marché, en tout cas dans mon cas. Mais d'abord on va partir sur le sport. Que vous ayez la flemme ou pas. Pour le sport on va commencer avec un petit make-up et une coiffure sympa pour se sentir jolie même quand tu es toute rouge et pleine de sueur. Ensuite pour rendre cette tâche extrêmement difficile un peu plus fun, on va se chercher des tenues jolies pour avoir plus souvent envie de les porter. Donc nous motiver, ou comme moi, pour faire croire aux gens que tu fais du sport. Ah ouais. Je fais ça aussi. Pour avoir une tête potable quand vous faites du sport, je vais vous conseiller déjà très peu de maquillage quand même parce que ça risque de boucher vos pores en se mélangeant à votre sueur et donc de faire de jolis dégâts sur votre peau. Donc je vais simplement prendre une bébé crème qui permet à la peau de respirer mais de cacher un minimum ses imperfections. Là j'utilise ma préférée du moment, la Good Afternoon de Skin Food. Ensuite je mets du mascara waterproof de chez Blink, donc oui il est waterproof mais bizarrement il se retire à l'eau chaude avec une pression des doigts dessus, donc c'est assez spécial mais ça marche. Je mets une petite touche de gloss fuchsia, je mets Color Elixir pour donner de la couleur à ma bouche. Et j'hydrate avec le baume à lèvres Honey Pot de chez Skin Food et j'en peux plus, le packaging il est juste énorme. Une petite touche de couleur flashy avec mon vernis Golden Rose Matte numéro 28 et je suis prête. Pour la coiffure, je vais en faire une qui ne bouge absolument pas malgré les efforts. Alors je sépare mes cheveux en deux et je vais faire une tresse collée de chaque côté. Je prends une mèche sur le tout devant de ma tête que je sépare en trois et je commence à tresser. Je rajoute des cheveux à la mèche qui est censée aller au milieu et je refais la même chose de l'autre côté. Alors il est vraiment nécessaire de bien serrer la tresse à chaque fois pour qu'elle soit le plus possible collée à la tête. Je continue de tresser assez haut sur ma tête et je finis la tresse en la fixant avec un élastique. Pour ma première tenue, je porte un pantalon de jogging Sarwell, un débardeur violet de chez Decathlon, un top Bershka en dessous du débardeur, des guêtres Go Sport violettes et des baskets Bershka. Pour ma deuxième tenue, je porte un pantalon de jogging de chez Oysho, une brassière et un débardeur H&M toujours pour jouer sur la superposition, toujours des guêtres mais bleu flashy cette fois-ci et des baskets Decathlon. Pour le level flemmard, alors c'est ce que je fais tous les jours quand je suis vraiment pas motivée mais que je veux un minimum me garder en forme, donc je vais tout simplement faire des contractions 100 fois. Donc j'ai contracté mes fessiers 100 fois par exemple si je suis au téléphone, je vais faire des petits cercles avec mes bras 100 fois dans chaque sens si je fais sécher mon vernis ou que j'attends quelque chose, je vais faire 5 fois 20 squats si je suis sur mon téléphone ou encore je vais contracter mes abdos 100 fois quand je suis devant mon ordinateur. Et pour tonifier l'intérieur des cuisses, je les serre contre un ballon 100 fois aussi. On a tout le temps de faire ça dans la journée, donc aucune excuse. Pour le level, je suis un peu motivée. Là, je vous conseille le meilleur des programmes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, qui est l'ancêtre des pilates. Je dirais même son dinosaure. Donc ça s'appelle Calanetics, ça date des années 80. C'est très très moche à regarder et c'est en anglais, donc faut réussir à comprendre. Mais mon dieu, les résultats sont hyper bluffants et en un mois, ça vous sort une silhouette hyper tonique si vous arrivez bien à faire les mouvements. Enfin bref, je jure que par ce programme. Il attaque toutes les parties de votre corps, vous faites une centaine de micro-contractions, donc oui, le level flemmard vient de là, et ça permet d'allonger vos muscles sans les faire grossir, et le lendemain, je vous garantis les filles que vous sentez les courbatures. Après le sport, on va parler alimentation. Maintenant, je vais vous donner quelques petits tips qui fonctionnent pour moi pour manger un petit peu moins. Alors, je me suis rendu compte que je portais souvent des ceintures assez larges sur la taille et que quand je mangeais un petit peu trop, ça me serrait. Donc, pas la peine de la serrer à fond, hein. Ça sert à rien, faut quand même manger. Mais ça évite en fait de faire un peu trop d'excès et c'est pas mal. En deux, c'est d'avoir une alimentation saine mais ne vous restreignez pas. C'est-à-dire que si vous voulez manger quelque chose, absolument mangez-le tant ça reste pas dans l'excès. Parce que plus vous allez vous priver de tel ou tel aliment et plus vous allez penser et vous risquez de craquer. Donc ça sert à rien. En trois, c'est tout con mais boire de l'eau. Donc oui, vous pouvez prendre des sodas en petite quantité mais boire de l'eau ça vous évitera d'avoir le ventre tout gonflé.
c'est tout bon. En 4, ne faites jamais les courses quand vous avez faim, ça vous évitera d'acheter plein de cochonneries que vous n'auriez pas achetées en temps normal, donc mangez avant. Et en dernier, occupez-vous, sortez, allez voir vos amis, ça vous évitera de penser à la bouffe et ça vous évitera aussi de passer du temps devant votre télé ou devant votre PC à manger n'importe quoi alors que vous en avez même pas envie. Pose ton truc là, pose ça. Et pour finir, je vais vous montrer un petit DIY tout con, donc c'est pas une pilule miracle qui vous fera maigrir, ça n'existe pas quoi qu'on en dise. Simplement une petite aide pour aider le transit et stimuler votre métabolisme pour brûler les calories plus vite. Pour mes petites pilules que j'adore, on va prendre du curcuma qui aide à digérer et on va y ajouter du piment cayenne qui, entre autres, accélère votre métabolisme et vous aide à brûler vos calories plus vite. De la cannelle qui est un très bon antioxydant, qui contrôle votre niveau de sucre dans le sang et qui réduit également les inflammations dans les muscles et les articulations. Donc je prends des petites pilules, soit vous les achetez déjà vite sur internet, soit vous les videz. Vous allez remplir chaque pilule des 3 ingrédients en quantité égale, donc je vous le rappelle, c'est une aide pour mieux digérer et limiter vos petits creux. Vous en prenez une par jour, c'est efficace sur moi et j'espère que ça le sera aussi sur vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou motivé, ou vous aura... Repose ça, repose ce que tu manges tout de suite, allez. Pour le concours, comme d'habitude, vous allez sur votre compte Instagram ou Twitter, pas sur le mien, vous prenez une photo ou un screen de l'objet que vous aimeriez gagner, vous mettez en mention ou en légende le hashtag concoursOND, vous pouvez mettre un petit commentaire avec, ça fait plaisir. Ne me mentionnez pas, ne me taguez pas, ça sera éliminatoire. Et maintenant, je vais vous montrer ce que vous pouvez gagner. Alors, il y a un mascara waterproof de chez Blink, donc il s'enlève juste avec de l'eau chaude. Il y a des guêtres toutes fluo. Et un baume à lèvres de chez Skin Food. On dirait du miel, c'est trop mignon. Le concours se termine mardi à 18h, le nom des gagnantes s'affiche juste ici. Félicitations à elles, bonne chance à vous toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Non mais t'es sérieuse là? Tu vas vraiment acheter un canapé et une télé alors qu'on en a déjà? Tais-toi. Pour faire du sport en plus. Et vous monsieur, vous rêvez d'un corps musclé sans aucun effort? Il vous suffit simplement d'acheter notre console de jeu à 1 800 € et ce pack de 2 000 € pour seulement 4 000 €. Commandez dès maintenant. Donne-moi ça. Donne-le-moi. Hey, si tu veux continuer de suivre mes tutos, abonne-toi.